Salut tout le monde, c'est Michael Skull et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, on va essayer une Harley, mais pas n'importe quoi comme Harley. On va essayer un modèle complètement customisé, ce qu'on appelle un chopper. Mais avant que la vidéo commence, je vais t'inviter à t'abonner, à laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. Et aussi, si jamais tu as des questions à me poser, que ce soit sur cette moto ou sur quoi que ce soit d'autre de lié de près ou de loin à la moto, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, je me ferai une joie de vous répondre. Et la voici, la voilà. Cette magnifique Harley, donc c'est un chopper, donc c'est un modèle complètement customisé. Donc je suis en train de vous faire défiler des images de la moto et le niveau de détail il est assez impressionnant et c'est ouf à quel point il y a vraiment tout dessus. Genre t'as même les petites vis pour les pneus et tu le retrouves sur la peinture au niveau du garde-boue au-dessus. Sur le guidon, il n'y a aucun câble apparent. Le seul que tu vois, c'est celui de l'embrayage. Sur le moteur, tu en vois aussi très très peu. Enfin, les câbles des bougies, 2-3 du rythme. Mais c'est impressionnant le niveau de finition de la moto. Donc les seules suspensions que tu as sur cette bécane, c'est la fourche et ton cul. Donc autant dire, c'est assez particulier à conduire. Et donc celle-ci, elle a été préparée par Sud Chopper à Menton. Et sans plus attendre, je sais ce que vous attendez. Vous attendez qu'une chose, c'est que je l'essaye et on va y aller maintenant. Et donc voilà, on va enfin la prendre avec la petite clé de l'enfer parce que encore heureux qu'elle a des silencieux parce qu'elle fait un bruit mais c'est ouf. Hop, et là vous allez me demander mais comment tu l'allumes parce que ok la clé c'est là, bon déjà je vais m'asseoir dessus. Coucou toi. Donc ouais, c'est le retour, donc là vous vous demandez comment on l'allume. Bah, je vais vous montrer avec celle-là. Ici, je vais d'abord ouvrir l'air. Et là ça va trembler dans tous les sens. Magie! Sur cette moto, on dirait que c'est le lézard, c'est sur la machine à laver. On est go! Celle-là, ça va être le délire, celle-là. C'est abusé comment ça trompe. Bon, après, la caméra, elle trompe beaucoup plus que moi. Donc, ouais, chose à savoir, tout est dur sur cette moto. Donc, déjà, il n'y a que ça qui te sert de suspension. Et la selle, c'est clairement pas ce qu'il y a de plus pratique au quotidien comme moto. Vous en doutez, j'imagine. Donc, ouais, c'est un 883 qui a été entièrement refait. Et elle développe 120 chevaux au lieu de je ne sais plus combien. Et c'est juste la brutalité de cette moto. Alors c'est pas fait pour rouler vite, c'est fait pour cruiser comme je fais là, tu vois, rouler pépère avec un bras sur la jambe. Ça c'est vraiment fait pour rouler comme ça. Mais c'est tout un esprit. Enfin ouais, déjà le pot d'échappement, j'espère que ça s'entend. Ne serait-ce que déjà le bruit de la moto. Bon déjà tu me diras ouais c'est une Harley. Mais le pot d'échappement aussi. C'est pas. C'est un pot. S'il n'y avait pas le silencieux, il cracherait des flammes longues comme mon bras. Pour vous dire. Donc c'est pas de la gnognotte. Niveau réservoir, je crois que c'est un 7 litres. Ouais, la plupart c'est des réservoirs de 7 litres, voire plus pour certaines. En plus, moi j'ai de la chance, il y a un super bon temps. Donc ça c'est plus un essai vraiment détente. Hein. C'est pas là en mode pour vous acheter parce que de toute façon ça sur le marché vous le trouverez pas. Et je me suis dit, faut que je vous l'essaye. Parce que si elle part et que. Je vous l'essaye pas, ça serait vraiment dommage. Je vais juste vous faire écouter le barouf que ça fait. Alors après ça freine pas des masses, il n'y a pas d'ABS, il n'y a rien, donc il faut faire très attention. On a
des colis à livrer, la poste. Ouah, comment ça saute. Donc c'est pas du tout fait pour arsouiller, loin de là. C'est pas du tout, mais pas du tout fait pour ça. Putain, les... Oh là là, j'espère que ça s'entend parce que c'est juste magnifique. En plus, après, t'as le gros filtre à air qui est là. Donc oui, il touche ma jambe, mais pour moi, ça va. Mais ça, c'est ouf parce que quand t'ouvres en grand, des fois, surtout quand elle est froide, c'est t'entends... T'entends le... Des fois, je te jure, elle pète et tout. C'est des barres là. En plus, j'ai les deux... J'ai le bicylindre juste en dessous et j'entends chaque piston monter et descendre. C'est vraiment un truc de dingue. Les sensations de cette moto, c'est un truc de fou. Alors, c'est pas à mettre entre toutes les mains, mais ça se conduit. Voilà, si c'est pas un mec qui va faire le con avec, ben, ça se conduit très bien, il y a zéro problème. Mais c'est vraiment pas à mettre entre toutes les mains parce que ça freine pas. La tenue de route, tu vois, genre je peux lâcher le truc, ça va tout droit. Mais entre le moment où tu dis à la moto d'aller là, et le moment où elle se met, il se passe peut-être 0,5 secondes, tu vois. Donc c'est très particulier à prendre en main, mais c'est kiffant à conduire. Parce que c'est un truc full mécanique, il y a zéro assistance, il n'y a pas un brin d'électrique là-dedans, si ce n'est les clignotants et le démarreur, quoi. Il n'y a vraiment rien, il n'y a pas de traction control, il n'y a rien du tout. Oubliez tout ça, jetez ça à la poubelle, et bienvenue dans ce monde-là, qui est un monde... Le monde, on va dire, un peu de Harley tel qu'il était à l'époque, genre avec des motos full customisées, les mecs, voilà, c'est vraiment des motos à l'américaine. Et il faudra que je vous en essaye une, j'espère que j'arriverai, qui a une boîte kamikaze. Alors, je suis sûr qu'il y en a plein, ils savent pas ce que c'est, mais en gros, une boîte kamikaze, c'est un embrayage au pied. Ok, donc en fait, tu prends ton levier d'embrayage qui est là, enfin, ton levier d'embrayage qui est là, et tu le remplaces sur ton sélecteur. Et ton sélecteur, il est là, c'est un pommeau, genre comme en rallye, genre tac. Et en fait tu passes les vitesses en justement bah, à la main. C'est ça, il faudra vraiment que je vous l'essaye. Donc c'est pareil, c'est la moto et elle est chez Sud Chopper. Et ça, je pense que pareil, il faudra que j'essaye ça. Donc, le pneu à l'arrière, t'as vu, il a pas du tout la même dimension que le pneu à l'avant. Le pneu à l'avant, on dirait un pneu de vélo. Tellement il est petit, même avec le phare je le vois pas, quoi. Tellement il est petit. Tu penches pas des masses non plus parce que le pneu à l'arrière, bon, il est suffisamment large donc pour donner de la stabilité. Mais même cette jante à l'avant, elle est magnifique cette jante. C'est dans l'extrême, mais pas niveau puissance. Tu vois, niveau puissance, c'est pas trop. Alors on pourrait croire que ça avance pas. Bah, ça te met pas un coup de pied, c'est pas. Mais ça pousse. Franchement, ça pousse. C'est une moto vraiment dingue. Alors elle, la pauvre, elle sait plus trop où elle en est dans sa vie. Et en ville, c'est une moto. Je déconseille, genre si vous voulez vous prendre un truc comme ça pour conduire tous les jours, je vous dis non. Parce que l'embrayage il est tellement dur, là j'ai quasiment jamais la main dessus, juste pour passer les vitesses. Le frein avant il est dur, le sélecteur il est dur, il y a juste le frein arrière qui est très smooth. Mais ça, ça te tue les mains. Pour ceux qui font du cross, vous voyez quand vous finissez une session et que vous avez les mains un peu, vous avez un peu mal aux mains, bah c'est la même sensation. Sauf que tu fais pas de sport, c'est la même chose. Mais que avec ta main gauche, quoi. Ah, c'est vraiment un monde très très particulier. C'est V à toi, V. Une Harley qui croise une Harley, c'est pas beau ça. Bon voilà les amis, c'est ici que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde. I'm gonna need you to back up. I'm gonna need you to back up. Yep. I'm gonna need you to back up. Yep. I'm gonna need you to back up. I'm gonna need you to back up. Yep. I'm gonna need you to back up. I'm gonna need you to back up. I'm gonna need you to back up.